Salut les cricketeurs! Aujourd'hui, c'est un projet avec la lame couteau que je vous présente. Je vais découper un petit cœur dans du balsa de 1 mm d'épais pour faire des petites décorations pour mon sapin de Noël. Oui, je pense déjà à Noël. Alors, ce que vous entendez en fond, c'est ma petite fille. Alors, pour ce projet, il faut. Alors, pour ce projet, il vous faut le tapis de forte adhérence, c'est le tapis mauve. Du balsa de 1 mm ou de 1,5 mm et du transfer tape, pas du tout du transfer tape, du collant de masquage que pour attacher votre balsa sur le tapis. Et il faut bien sûr la lame couteau. Quand on découpe des gros matériaux, il faut toujours mettre les petites roulettes sur la droite. Alors, je vous conseille, ici ça ne change pas grand-chose vu que c'est un cœur, mais pour tous vos projets balsa et autres grosses épaisseurs, c'est de le faire en mode miroir. Comme ça, s'il y a des éclats de bois, mais vous ne le voyez pas vu que c'est le dos. Alors, c'est parti. Là, j'ai choisi le matériau balsa 1,6 mm. Et on y va! Et voilà, la découpe est terminée. Super. Et vous avez entendu mon mari qui est super heureux pour moi que la découpe ait bien fonctionné. Et voilà. Alors vous voyez, il y a des petits éclats. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a des petits éclats. Mais quand on tourne, on ne les voit plus. Donc c'est parfait. Encore un projet réussi avec la Cricut. Alors on se retrouve demain avec un autre projet. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma newsletter sur le blog jecreejecut.com. Pour toutes les infos et le tuto écrit en français de ce projet, c'est sur mon blog. À demain!